à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, on va faire un déballage de colis. J'ai été contactée par une marque pour vous présenter un petit peu une boutique, un site internet. Je ne me souviens plus du tout du nom, mais je vous mets en barre de description tous les liens et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller regarder. Vous aurez sans doute le nom de la boutique écrit dans le titre. Je regardais, je voyais que ça venait de... C'était en Colissimo de Roissy-Charles de Gaulle, alors je ne sais pas. Comment dire, je pensais que c'était chinois, mais c'est arrivé extrêmement vite. Et donc, j'avais un petit budget, donc je ne m'en plains pas parce que c'était gratuit pour moi. Mais du coup, j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est un site qui propose du diamond painting et j'ai pris des petites choses qui changent du diamond painting classique. Et puis là, on a notre petite Chloé qui est avec nous parce qu'elle est qu'à contact à l'école et on attend la réponse de son test qu'on espère avoir ce soir ou demain matin pour qu'elle puisse retourner à l'école. Retourner à l'école. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer, j'ai pris ce masque. Donc, je me suis dit, avec la conjoncture actuelle, on est dans le thème. Donc, il y a un petit film, parce que je suppose que ça, c'est autocollant. Attends, Chloé, tire pas dessus. Donc, c'est un masque. Je vais essayer de le mettre. Il est pas mal. J'ai un masque noir. Oui, et donc fourni avec, vous avez des petites paillettes, des petits strass et un petit stylo. Et enfin voilà, vous avez un petit peu de matériel. Ça me fait de la buée sur les lunettes. Donc je me suis dit que ça serait sympa pour mon institut. Quand je fais les ongles en résine, je mets un masque. Et du coup, je me suis dit que ça serait parfait d'avoir ce joli masque décoré en strass. Donc je vais le réaliser, ou on le réalisera ensemble, mais ça prend quand même beaucoup de temps le diamond painting. Ouais. Ensuite j'ai pris un deuxième article qui était... C'était deux breloques. C'est des... Mais ça ressemble pas du tout à la photo du site. Je suis très déçue. Parce que c'était en fait un magnifique oiseau comme ça. Il y avait une breloque qui descendait avec des perles, avec les couleurs du chakra. Franchement, je m'attendais vraiment à ça, parce que Chloé m'a pillé quelque chose, mais... Non. Faut pas enlever le plastique, ma puce. Faut pas enlever le plastique du masque. Sinon, on va pas pouvoir le faire, parce qu'après, il va plus coller. Donc, on garde bien le plastique. Tiens, tu peux regarder ça. Donc voilà, je suis un peu déçue, ça ressemble pas au truc du site. Et puis en fait, on a juste ce petit accessoire. Donc si on commande que ça, on n'a pas d'accessoire en fait. J'ai plus rien dans le colis, je sais pas. Ça me paraît bizarre, mais je pense que j'ai rien fait tomber. Donc c'est deux petits oiseaux que je vais pouvoir réaliser. Ouais, tu peux les prendre. Et puis donc il y a les paillettes, les strass pour pouvoir faire les oiseaux. Mais bon, je trouve que c'est pas ce à quoi je m'attendais par rapport aux photos du site. Et puis j'ai pris également cette boîte, donc qui normalement est pour ranger les diamond painting. Mais là, clairement, moi je vais m'en servir pour ranger mes paillettes de onglerie. Je profite de ce super partenariat, donc merci à vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai un partenariat pour m'équiper pour mon onglerie. Donc merci beaucoup, parce que moi, diamond painting, je refuse à chaque fois les partenariats parce que j'ai pas la patience de faire ça. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh là là, je vais en profiter, merci mes abonnés. Et donc j'ai cette boîte et voilà, ça fait des petites boîtes. Donc j'ai un code promo pour vous. Si vous kiffez le diamond painting, je vous file un code promo. Vous regardez en barre de description et il y a des petits trucs très sympas.
Mais bon, là, on était sur un budget quand même de 20 euros. 20 euros pour une boîte en plastique, deux petits oiseaux en plastique et un masque comme ça. Je trouve ça pas donné. Mais après, c'est mon avis personnel. Moi, je n'achèterai pas sur cette boutique. Mais le site est vraiment très bien fait. Il y a des réductions et les vrais diamants de painting. Comme j'avais fait, je sais pas si vous voyez de là, voilà. Là, j'avais fait là-bas, la Belle et la Bête en diamant de painting. Ça m'avait pris un temps fou, c'était une horreur. C'est ma nourrice qui avait fini le truc. Et en fait, c'est vraiment magnifique et ils sont vraiment pas chers sur ce site. Après, moi, j'ai pris des trucs chers parce que c'est des accessoires, je pense, très particuliers. Ils sont beaux, ces trucs, ces oiseaux. C'est quand même du plexi, des choses comme maman, ça. Non, c'est en plastique. Donc, voilà. Maman, je voulais vous faire cette petite vidéo avec toute mon honnêteté, comme d'habitude. Donc, je suis vraiment très, très contente. Je remercie la boutique de m'avoir contactée, de m'avoir fait confiance pour que je puisse vous parler d'elle. Et j'espère que vous êtes fan de Diamond Painting et que vous profiterez des offres plutôt Diamond Painting parce que là, les offres, clairement, comme ça, je ne suis pas sûre que ça soit... je ne vous ai pas choisi les articles les plus intéressants, mais les plus intéressants pour moi. Voilà. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous. Tu dis au revoir, Chloé. Au revoir. À très bientôt pour la suite des aventures. Je vous aime fort et bisous bisous.